Et salut à tous l'équipe, c'est Optimus, on se retrouve pour une vidéo Dokkan Battle. Une flash info Dokkan, hein, c'est pour vous parler d'un bug du jeu. Je viens de refaire la vidéo puisque j'ai lancé un live au lieu d'un enregistrement. Il y a 100 pierres à aller chercher. Les pierres qu'on va vous parler là, c'est les pierres vertes. Ils sortent dans 3 jours en France. Donc le 17. Le 17, vous allez avoir les nouvelles quêtes, vous allez avoir les trésors de Baba. Ils vont vous servir, en fait, c'est la nouvelle monnaie chez les trésors de Baba. Hein. Il y a des trucs qui coûtent 50, il y a des trucs qui coûtent 175, il y a des choses qui valent plus. Vous verrez un petit peu. Donc là, ça va vous permettre d'avoir 100 pierres hein, pour tous ceux qui leur restent un vœu. Vous voyez que DFC Willax dédicace au cous du modérateur Mehdi. C'est son cousin donc qui nous a envoyé ça généreusement. On a vérifié le bug, on a vu que ça marchait bien pour ceux qui leur restaient des bugs. Donc jetez-vous sur ces pierres-là parce qu'ils vont être très très durs à avoir. Hein. Dans les nouvelles quêtes, il va falloir trouver Pilaf et bien tomber dessus. Il n'a pas de stop, donc il faut vraiment prévoir son jeté de dés pour tomber dessus et pouvoir avoir une dizaine de pierres dessus. Donc ça se ferme vraiment au compte-gouttes. Sinon, si vous passez un event, vous avez une chance sur le boss d'en dropper une. Donc autant vous dire que 100, c'est des heures de farm gratuites pour tous ceux qui restent, je répète, hein, qui leur reste un vœu. Faites ce vœu-là absolument parce que quand il va y avoir la mise à jour, vous allez ravoir ce vœu. C'est une erreur de leur part, donc ils ne peuvent pas vous l'enlever ce vœu-là. Même si vous le faites maintenant, vous allez le ravoir. Juste après, donc le 16, le 16, ouais, vers les coups de 16h, vous allez avoir une vidéo qui explique tous les boss des quêtes, qui explique ce qu'il faut acheter chez Baba en priorité. Elle est super bien détaillée, on vous a fait tous les types. Vous n'irez pas en quête à l'aveugle, parce que nous, c'est comme ça qu'on a commencé le show, on y allait à l'aveugle, on y allait avec de l'agilité, on tombait sur des techs, bon, bah, on était prévenus, on y allait avec de l'intelligence après. On va vous économiser des ACT et on va vous dire tous les boss de toutes les quêtes. Donc c'est une grosse grosse vidéo travaillée de notre part hein, de la Dokkan Family. Voilà, cette petite vidéo est très très courte, mais je pense que l'information n'est pas négligeable. C'est pour ça que je me suis permis de la tourner en direct. Encore dédicace à Willax qui nous a fait découvrir ce petit bug. J'espère que vous allez en profiter pour ceux qui restent un vœu. C'est tout simple, hein, ceux qui cherchent les vœux. Pour raccrocher cette vidéo, hop, la magie du montage, Sharon, hop, vous cliquez sur Sharon. Malheureusement, moi, si je clique dessus, il y a marqué le dragon radar ne détecte rien. Mais vous, si vous cliquez dessus, hein, il va vous dire où aller. Vous avez juste à aller à, donc à double-cliquer dessus, il vous amènera à la mission. Ça évite de vous les chercher. Petit clin d'œil à Dokkan, d'ailleurs, ils nous ont facilité le travail parce qu'avant, il fallait se souvenir du nom du chapitre et du nom de la quête. Donc là, il y a juste à double-cliquer sur la boule qui vous manque et il vous amène directement sur la mission. Voilà, c'était tout pour nous. C'était le staff de la Dokkan Family Crew qui vous informait de cette petite news bug sur le jeu. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire vos ressentis dans les commentaires et à nous faire savoir que vous aimez cette vidéo avec un petit pouce bleu ou un petit pouce rouge. Voilà, c'est cool pour moi. À plus tard, les gars. Prochaine vidéo. Ciao, ciao. Sup Club.